Non, mais en tout cas, il y a une vraie demande de littérature d'évasion. Oui, ou encore de musique de relaxation. Oui, bien sûr. On regarde le succès des livres de coloriage pour adultes. On peut passer de tête, hein. On en publie, nous aussi, ça marche très très bien. Excuse-moi, enfin, j'ai mal compris. Des livres de coloriage pour adultes. Ouais, quand tu rentres du bureau, tu te relaxes, tu te libères du stress. J'en sers. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Tu te libères en coloriant, quoi. Voilà, ouais. En coloriant des motifs végétaux, des mandalas. Tu fais le vide. Mais excuse-moi, c'est très répandu, ça. C'est un phénomène de société. Faut être à l'écoute. Enfin, moi, ça m'accable. Enfin, je veux dire, je me sens totalement incompétent face à ça. Bah oui, bah, tu sais, on lit aussi pour se changer les idées. C'est un fait. Oui, mais moi, mes livres, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, ils font que enfoncer le lecteur. Il y en a qui écrivent des feel good books. Moi, j'écris quand même des... Enfin, on peut le dire, hein. Moi, j'écris des feel bad books. Bah, y a un public pour ça aussi.